York Aquatic Club, Nick Karpov. Dans le corridor numéro 1, double médaillé d'or au Festival Australien Olympique Jeunesse en 2009 de Scarborough Swim Club, Graham Hawes. In lane 7, the 2012 CIS champion, the 50 and 100 backstroke from the Etobicoke Swim Club, Clev Zubarov. Dans le corridor numéro 2, il a participé aux derniers Jeux Olympiques dans cette épreuve des Langley Olympian Swim Club, Jake Tapp. In lane 6, the Canadian record holder in the men's 100 backstroke from the University of Calgary Swim Club, Pascal Wallach. Dans le corridor numéro 3, il a représenté le Canada aux dernières universiales en 2011 de Newmarket Stingray Swim Club, Matthew Swanson. In 15th place in the 200 backstroke of the 2010 Pan Pacific Championship swimming in lane 5 from the Ravens of Carleton Swimming, Matt Hawes. Et dans le corridor numéro 4, il a participé à une finale au championnat du Commonwealth en plus d'avoir représenté le Canada au dernier championnat du monde dans cette épreuve du club de natation piscine du Parc Olympique, Charles Francis. Mesdames et messieurs, ce sera une excellente course 100 mètres d'eau. Charles Francis dans le corridor numéro 4. Meilleure performance ce matin, 54-77. Matt Hawes, détenteur du record canadien aux 200 mètres d'eau. Jake Tapp, olympique en 2008 dans cette épreuve. Également dans le corridor numéro 6, Pascal Wallach qui détient le record canadien dans cette épreuve, 53-63. Top seed in the middle of the pool is Charles Francis. As they turn here with 50 to go, it's Francis followed by Matt Hawes. And Pascal Wallach, the Canadian record holder. Good close race. Come on, folks, make some noise! Et alors qu'il reste un peu plus de 25 mètres à compléter, Charles Francis en avance dans le corridor numéro 5. À ses côtés, c'est Matt Hawes. Et à 15 mètres de l'arrivée, toujours Charles Francis en avance et qui creuse d'ailleurs l'écart alors qu'il reste 5 mètres. Et probablement qu'il s'envolera vers Londres alors qu'il touche dans un temps de 54.84. Réalisant ainsi la meilleure performance ce soir et se mérite un ticket pour Londres en deuxième position dans le corridor numéro 3, Matthew Swanston, 55.56. Et finalement, troisième position, 55.62 pour Matt Hawes. Ladies and gentlemen, results are official. Your newest member of Team Canada, Charles Francis. Alors, mesdames et messieurs, les résultats sont officiels et Charles Francis qui sort de la piscine. Notre nouveau membre de l'équipe canadienne qui nous représentera aux prochains Jeux olympiques de Londres.